Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas trop sur Dota Battle, mais un peu quand même. Voilà, une petite vidéo tout simplement pour vous dire un grand merci. On est bientôt au 10K, on n'y est pas encore, mais on y arrive. Et sans trop m'avancer, je voulais tout simplement déjà vous remercier, bien sûr, à tous pour vos pouces bleus, pour vos soutiens tout le temps. Tous ceux qui activent les notifs qui sont là en live. Voilà, juste un grand merci à vous. Quand j'ai lancé la chaîne, je pensais pas arriver aussi loin parce que on se rend pas compte aujourd'hui parce qu'on voit des gens qui sont à 1 million, 2 millions d'abonnés, 10 millions, qui font des millions de vues, etc. C'est vraiment un truc de malade d'avoir presque 10 000 personnes qui nous suivent. Hein. Vous vous rendez compte, 10 000 personnes ou même 50 personnes devant là, c'est juste incroyable de pouvoir divertir autant de personnes. Et puis, je voulais vous parler tout simplement de la célébration dédiée à abonnés qui va arriver sur la chaîne, voilà. Donc, je vous ai préparé des petits trucs qui sont assez sympas. Alors, pour commencer, je vais commencer par le commencement. Je sais que c'est le truc qui va vous faire le plus plaisir. Je vais vous faire gagner une carte Google Play d'un montant de 15 euros. Voilà, tout simplement, c'est cadeau, ça me fait grave plaisir. D'ailleurs, vous remercierez Umeshu, Karma, Abdel aussi pour les dons. Voilà, ça fait grave plaisir. C'est grâce à eux en partie que je fais le truc. Donc, un grand merci à eux. Donc 15 euros avec un Google Play que je ferai gagner donc au 10K abonné. Tout ça je le ferai gagner au 10K abonné en fait. Dès qu'on a les 10K je le ferai gagner. Je fais la vidéo un peu en avance pour vous préparer. Le concours se fera sur Twitter. J'ai pas d'autre moyen, il faudra créer un compte Twitter. Et donc il faudra retweet et follow un truc tout bête. Et puis je prendrai un au sort. Et tout simplement je lui donnerai la carte. Ça va être tout simple, il y aura juste un code à envoyer. Voilà, ça vous fait en gros j'ai calculé, ça fait à peu près 50 DS, ça fait multi quoi. Avec les promos, donc ça fait plaisir. Alors, déjà c'était pour le premier. Alors le deuxième point, c'est que dès qu'on aura les 10K, on va faire un live. D'ailleurs, pour ceux qui verront la vidéo le jour même, il y a le live à 19h45 ce soir, hein, soyez là. N'hésitez pas à activer les notifs pour être au courant. De même que, quand on passera les 10K abos en live, je ferai une multi symbolique sur un portail, donc que ça soit le portail LR ou le portail Goku, parce qu'en fait j'ai aucun leader super. Le Super Vegetotech, je l'ai pas. Le Goku non plus, multiforme. Donc c'est vous qui choisirez tout simplement. C'est vous qui choisirez ça. Et puis je ferai aussi. Donc on fera cette célébration là dédiée à abonné en live. On fera une petite rétrospective de la chaîne. Du coup, on ira voir les vidéos d'avant qui remontent assez parce que ça fait maintenant un an et demi que j'ai la chaîne, même un peu plus. Et il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Ça serait un moment qui est assez marrant. Donc n'hésitez vraiment pas à activer la cloche pour être au courant de quand je vais faire ce live là. Alors, une autre chose, je vais vous donner tout simplement des rerolls, voilà, pourquoi pas. Ça fait plaisir s'il y en a qui ont perdu leur compte ou qui ont envie de changer de compte. Donc un reroll, c'est quoi? C'est un compte qui est niveau 1 où il y a pas mal de persos dessus. Donc j'arriverai à vous avoir des rerolls avec 2 LR, j'en ferai gagner 2-3. Peut-être y aura un gros compte à voir, j'essaye de voir, pour vous proposer le mieux que je peux. Donc voilà, de ce côté-là, tout se passera sur Twitter, de toute façon je ferai une annonce ici et... Autre annonce, je vais faire une vidéo FAQ. Au début, c'était un troll, je devais pas la faire. C'était quand j'avais 100-200 abonnés. On m'a dit ouais, Odika, tu fais des FAQ. Je fais ouais, d'accord. Aujourd'hui, on y est. Du coup, n'hésitez pas sur Twitter. Vous mettez hashtag FAQ Boustache. Regardez, je vais vous montrer. On va y aller ensemble. Hop, Twitter ici. On va faire hop, hashtag FAQ. FAQ Boustache. Voilà. On va faire. Ah, quoique, en fait, on voit pas le haut. On voit pas le haut, attendez. Je vais vous montrer le haut, hop. Voilà, FAQ Boustache. Donc, comme ça, comme c'est écrit en haut. Entrée. Et puis là, vous allez avoir toutes les questions qui sont arrivées pour le moment. Je vais tout y répondre en vidéo. Donc, n'hésitez pas, vous mettez un tweet. Vous mettez FAQ Boustache, comme ça. Et puis, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez troll, si vous voulez pas troll, j'y répondrai. Et ça fait grave plaisir même de le faire, hein, tout simplement. C'est vrai que je parle pas beaucoup de moi. Donc voilà, je mettrai aussi un post donc, sur YouTube dans l'onglet communauté où vous pourrez poser vos questions en bas et j'y répondrai en vidéo. Donc voilà pour tout ce qui est FAQ. Maintenant, je vais vous parler un peu de la chaîne. Je vais vous parler un peu de la chaîne parce que il s'est passé des trucs assez incroyables quand même ces derniers temps. Bon, j'ai sorti ma vidéo troll Gohan LR qui m'a bien fait rigoler. Voilà, il y en a qui ont aimé, ils ont apprécié le troll, il y en a d'autres moins, hein, je comprends tout à fait qu'il y en ait qui n'aient pas trop apprécié. Donc, mais voilà. Donc, là, vous avez toutes les vidéos. Je vais plutôt mettre en termes de... je vais plutôt mettre en mode viewer. Voilà. Donc,
Ces derniers temps, j'ai fait tout simplement, il y a des vidéos qui ont décollé du. C'est incroyable en fait. J'aurais jamais pensé à arriver. Alors déjà, ma vidéo, ma première vidéo qui a vraiment lancé la chaîne, donc Goku SJ3 tuto que j'ai fait humblement, voilà, je me suis dit peut-être ça aidera des gens. Et puis cette vidéo-là arrive aux 70K vues, c'est un truc de malade. 70 000 vues les gars pour moi. Enfin 70 000, vous vous rendez compte? 70 000 personnes ont cliqué sur le lien de la vidéo. C'est juste incroyable. Donc une autre vidéo, obtenir le Végito LR que j'avais fait tout simplement. Et celle qui arrive derrière. Ma vidéo où j'ai eu mon premier Neo LR, donc Orc LR catégorie Végéto Gogeta. J'ai eu mon premier Neo LR, enfin LR en gros sur les portails où il y a très peu de taux drop. Je l'ai eu. C'est juste incroyable. J'ai eu double LR dans la vidéo. Pour ceux qui l'ont pas, enfin je pense que la plupart l'ont vu. Pour ceux qui l'ont pas vraiment allé la voir, c'est une vidéo malade. Elle a fait 56 000 vues. 50 000 vues en une semaine. En une semaine, elle a fait 50 000 vues pour une chaîne de 8 000 abos. Enfin, j'avais quand j'ai fait, j'ai fait 7500, 8 000 abos. Et là, c'est juste incroyable tout ce qui se passe. En plus, vos avis sont positifs dessus. Je suis grave content parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont râlé. Franchement, regardez 1900 pouces bleus, 73 pouces rouges. C'est juste incroyable le ratio qu'il y a. Parce que souvent, en fait, les gens qui ont beaucoup d'abonnés, etc., c'est leurs abonnés qui mettent les pouces bleus. Du coup, forcément, il y en a beaucoup. Moi, il faut savoir que sur les 56 000 vues, il y a 90% en fait qui sont pas de mes abonnés. Du coup, ça fait grave plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce contenu, malgré qu'ils ne soient pas abonnés à ma chaîne. Après, on en vient au portail de Gogeta, donc le portail où j'ai fait mon premier braquage, entre guillemets, où j'avais drop. 46K vues, incroyable. La vidéo pour Anga, voilà, que j'ai fait tranquillement, elle fait 27K vues. Apparemment, vous aimez ça. Ça fait plaisir. Le Bardak, le Badak. Alors, le Badak, c'est la grande vidéo de la chaîne. Enfin, la grande vidéo. C'est la première vidéo de ma chaîne qui a dépassé les 2000 vues, je crois. Ouais, c'est la première vidéo de ma chaîne. Je l'ai lancée comme ça. Et puis, pour un perso free to play, tout le monde était étonné des dégâts. Ça faisait juste grave plaisir. Après on a le Migaté 100%, du coup j'étais trop excité le jour où il est sorti, j'étais comme un gosse, c'était incroyable. J'en pouvais plus, genre vraiment, vous voyez ma tête dans la vidéo. Hop, j'étais comme un malade. J'en pouvais, regarder le sourire, c'était... Ah c'est juste trop kiffant quand je revois les trucs comme ça. De base la chaîne d'ailleurs j'avais lancé, pourquoi j'avais lancé? Parce que, bah tout simplement j'avais pas de chance pendant les invocations. Récemment j'en ai eu, mais à la base moi j'avais pas beaucoup de chance. Je me suis dit mais faut mettre ça en vidéo quoi. Ma réaction elle doit être épique, genre elle doit être épique. Et puis j'ai commencé comme ça, au début il y avait les petits trucs etc etc. Et de fil en aiguille c'est monté. Alors j'ai fait beaucoup de pauses qui a ralenti la progression, mais là je me suis promis de faire au moins un live et une vidéo par jour. C'est pour ça qu'en ce moment je suis actif alors que c'est la rentrée depuis déjà 3 semaines. Et que voilà, je cravache pour vous faire des choses. J'espère que vous appréciez. Et tout ça pour dire que même si je monte à mon rythme, donc il y a des gens qui sont montés beaucoup plus vite. J'ai lancé ma chaîne à peu près 2 mois après Abda, Kintoon, etc. Ils ont le double de mes abos larges, même plus. Mais voilà, on monte à notre rythme, mais on est vrai. Je suis vraiment très content de l'avancement de la chaîne aujourd'hui. Voilà, je tenais à dire. Je suis vraiment très très content de l'avancée de la chaîne. Donc après, on a la vidéo comment braquer un portail en une multi. Cette vidéo-là. Je pense que vous l'avez vu aussi, j'ai eu deux Freezer Tech dans la même multi, j'étais comme un grand malade. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, c'est juste un truc de fou. Deux LR en une multi, deux Freezer Tech en une multi, c'était juste incroyable. Donc après, on a les petits tutos Végéto Blue que j'ai fait plus en profondeur. Du coup, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient aimé le... En fait, je fais comme ça, en fait, moi, je... Si je... Alors, le Végéto LR, à la base, quand il est sorti, j'avais pas le temps de faire une grosse vidéo. Donc j'ai sorti une vidéo 3-4 minutes où j'ai dit, voilà, Végéto LR, c'est comme ça, et puis voilà. Donc après, j'ai vu que cette vidéo, vous avez apprécié, je me suis dit, bah... Autant faire un tuto complet, parce qu'il y a des gens qui n'ont sûrement pas compris avec ces vidéos, parce que forcément je prenais des raccourcis, donc j'ai fait tout de A à Z, et aller à 16 000 vues, elle augmente de jour en jour, ça fait grave plaisir. Débloquer les Android LR 100% de mes premières vidéos aussi, regardez dessus, ça datait juste de ouf, c'était juste incroyable. En vrai j'ai la même tête moi je trouve, j'ai la même tête, j'avais plus juste pas de figurine. Il y a juste pas de figurine derrière. Bon après voilà, le compte le mieux géré avec tout de calme, hein, j'ai un peu exagéré dans le titre. Mais de ce côté là je voulais dire, voilà, j'ai abusé, mais en gros ce que je veux dire c'est que mon compte pour l'argent que je mets dedans, je trouve quand même pas mal du tout. Hein, je suis assez fier du compte que j'ai pour le moment. Après on a le ZTVR de Gogeta, donc c'est la vidéo que j'ai sortie avec Kawaii. D'ailleurs on n'a pas eu le temps d'en sortir, enfin depuis on a un peu abandonné le projet. Enfin pas un peu complètement abandonné, je sais que si je le relance on peut en refaire. Mais c'est des choses compliquées.
compliqué à mettre en place et j'ai vu que les gens n'étaient pas forcément super intéressés. Donc on verra bien. On verra bien si on en ressort. Donc après, tuto pour gamme facile. Comment monter le Goku, il est ultra, Goku Ultra Instinct, 10 000 vues. Il y a un mec, j'avais sorti, m'avait insulté, m'avait dit pourquoi tu fais ça. Les gens, ils savent très bien comment le monter, tu nous prends pour des débiles. À la fin, ça se voit que ça a servi à des gens. Et justement, c'est surtout ça qui fait plaisir, c'est de savoir que ça sert, tout simplement. À la base, c'est ça. Moi, quand il suffit qu'il y ait un seul mec que j'ai aidé pour que ça me fasse super plaisir, en fait. J'ai tout gagné s'il y a un seul mec qui me dit merci pour ton tuto, grâce à ça, j'ai pu réussir. Et puis après, on part sur les vidéos qui sont un peu moins vues, donc mais qui n'en demandent pas. Hein, c'est beaucoup pour ma chaîne, donc 8000 vues, level 2, machin. Végétaux boulaires, tout ça. Alors moi, je voulais en revenir sur les premières vidéos de la chaîne, surtout. Les premières vidéos de la chaîne. Donc ma première présentation de compte qui date d'il y a assez longtemps. Et puis les invocations avec mon pote, surtout. Ça, c'est la vidéo que j'ai kiffé faire. J'avais mis un petit montage dedans à l'ancienne. Yo les potos, tranquille ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour des invocations sur les 150 millions de téléchargements. Check mon pote Samy. Yo les gens, bien ou quoi? On se retrouve tout de suite. Ah, c'est trop drôle quand tu regardes ça à la base. Ah, avec le petit générique à la scène, qui se souvient du générique? Qui se souvient du générique, sincèrement? Ça me ferait grave plaisir qu'il y en ait qui s'en souviennent. J'ai enlevé au bout d'un moment parce qu'il servait plus à rien, tout simplement. Et puis à la fin, le troll ultime. Tu sais, je m'en souviens par cœur de cette vidéo, c'est incroyable quand même. Je m'en souviens incroyable de cette vidéo. Je suis obligé de mettre le dernier passage. Je suis obligé. Je paye la multi, j'ai assez ça, je vais jamais payer en vrai. Et Yannick Carré, cet enfoiré là. Comment j'avais la haine. Ouais, tout ça, voilà, c'était une petite vidéo sympa pour vous parler tout simplement de la chaîne, pour vous présenter aussi ce qui allait venir. Donc la vidéo FAQ, etc. Donc voilà, tout simplement merci pour tout ça, ça fait grave plaisir, ça fait grave chaud au cœur, merci à tous pour vos soutiens, pour vos abonnements, etc. J'espère que vous nous... De toute façon on est au début hein. On est au début de. Enfin on est à la fin de la petite cour et on commence à rentrer dans la cour des grands, mais on part de la ligne de départ maintenant, voilà quoi. Parce que 10K c'est bien, mais c'est vrai que 10K en vrai, quand tu regardes à l'échelle de YouTube, c'est pas grand chose. Donc voilà, j'espère que vous serez toujours en rendez-vous, qu'on sera toujours plus nombreux. Et puis tout simplement un grand merci. Portez-vous bien les frérots. Ciao ciao, à la prochaine.